Bonjour et bienvenue, c'est Bene, on se retrouve pour le 31e épisode de Hogwarts Legacy. Donc c'est parti, allons dans les grottes des gardiens. Est-ce que c'est le dernier épisode? Je sais pas du J'espère que tout. les enchantements qui protègent le château fonctionneront aussi contre une attaque souterraine. Je crains que non, mais si ce n'est pas encore le cas, ça ne tardera pas. Avez-vous pu contacter le professeur Weasley? Oui. Avec un peu de chance, elle et les autres ne tarderont pas à arriver. Ils savent où trouver la porte que nous avons empruntée. Bon. Je me demande si Ranrock est ici. Allons-y. Allez. C'est parti. Donc j'ai fait des potions Wingardveld. Si ces fidèles sont ici. J'ai fait le maximum que je pouvais faire. Nous avons connu pire, professeur. Allez. Ça fait penser un peu au début du jeu, là, à l'intro. On est avec le professeur Fig. Attends. Est-ce que je vais essayer de... Ok. Voilà, donc j'ai regardé comment on faisait pour l'utiliser. Dégage. Oh là, il y en a partout. Voilà. Mais... Oula. Oula, il y en a partout. Dégage. Dégage. Ok. Il est mort? Non. Ah, fais attention. Bien joué. Ok. Allez, continuons. Bon, ok, j'ai compris comment on utilise Petrificus Totalus. Il a fallu peut-être le dernier épisode pour que je sache comment on fait. Ouh là là. Ouh là là, il y en a deux. Super. Voilà. Ok. C'est des... Oh là là, il y en a partout là. Ok. Cache. Oula. Ok. Cache. Yes. Ok. Yes. Ok. Voilà. Ok. Allez. Ok. Allez. Ça sort pas trop mal pour l'instant. Ah mince. Cache. C'est animé. Et... Ah. Voilà. Et...
cache. Ok. Oh, il m'a mis une patate. J'ai rien compris. Dégage. Ok. Quand il est visé comme ça, pour l'attaquer. Allez, bientôt mort lui. Oh moi. Allez. Gâche. Gâche. Ok. Gâche. Ah, attends, j'avais appuyé. Ok. Gâche. Ok. Gâche. Ah. Touché. Ok. Gâche. Ok, il m'a touché. Allez. Presque mort. C'est bon. Ok. On a utilisé pas mal de potions. On va essayer d'en récupérer un peu. On en a récupéré qu'une. Professeur, ce mur, c'est par ici. Quelle perspicacité. Allez. Regarde, c'est des choses intéressantes. Magnifique, ça, la potion. Ranrok ne doit plus être très loin du dépôt. Je crois que vous avez raison, professeur. On ne peut rien faire d'autre que poursuivre les recherches. Allez. Atteindre le dépôt avant Ranrok. Écoutez, d'autres gobelins. Voilà, on attend. C'est l'élève. Ok, bon. Je voulais faire une attaque discrète, mais apparemment c'est pas possible. Ok, dégage. Voilà, touché. Bon. Dégage. Ok. Dégage. Pas vu. Gâche. Ok. Défoncé. Ah, j'ai appuyé trop tard. Non. Ah, j'ai appuyé trop tard encore. Oh là là. Ah non. Oh non, j'ai pris ma potion trop tard aussi. Oh, ça pue. Ils sont pas sympas. Bon, allez. C'est reparti. Ok. Cache. Gâche. Oh, voilà. Ah.
Pourquoi il... la caméra part en couille comme ça? Cache. Ok. Ok. Là c'était pas pareil. Allez, on peut ramasser un peu tout ce qu'il y a. 11 potions. Magnifique ça. Approchons du but, professeur. Par ici. Allez, continuons. À traverser les charmes défensifs du château. Menez-les par là. Nous allons faire une petite deux. Ils tiendront. Allez, c'est parti. Nous sommes au cœur du combat. Nous allons montrer à ces créatures qui commandent. Allez, allez. Faut attendre le dépôt avant Ragnarok. Donc on court. Voilà, ok. Ok. Ok, dégage. Je me crains depuis bien avant d'aller sauter. Bombardable. Ce qui est bien, c'est que... C'est moi que tu visais. Ouais. Dégage. Ok. Regardons un peu tout ce qu'il y a. Oh là là, ok, un autre troll. Voilà, défoncé. Allez. Cache. Allez. Ah. On va s'éviter. Oh, le troll il prend cher quand même. Gâche. Ok. Magnifique.
Magnifique. Là 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 là. Allez, ils sont géants. Heureusement que nous sommes arrivés avant Ranrok. Je n'arrive pas à y croire. Dire que le dépôt se trouvait sous le château depuis des siècles. Quand on pense à toute la souffrance qu'il a engendrée, et c'est pour cela que Myriam, Georges, votre ami Lodgok et bien d'autres sont morts. Myriam pensait que cette magie oubliée pouvait être utilisée pour faire le bien. Mais elle ignorait les risques. Elle n'a pas vu ce que les gardiens vous ont montré, ce qu'Isidora vous a montré. Vous êtes désormais responsable du pouvoir de ce secret. Quel usage pensez-vous en faire ? Regardez ici. Je ne prévois pas de toucher au dépôt. Je suis ravi de l'entendre. J'ai bien réfléchi. Oui, professeur. J'ai passé l'année à essayer de cacher notre voyage à tout le monde, y compris au professeur Weasley. Mais aujourd'hui, je me dis que j'aurais dû lui en parler, leur en parler plutôt. J'aurais dû leur faire confiance. Les gardiens voulaient que ce secret soit enfermé pour toujours. Combien de temps le garderez-vous ? Je prévois de le garder ici pour l'instant. Mais une fois que le dépôt sera sécurisé, je compte tout raconter au professeur Weasley et aux autres, et accepter leur aide. Je crois que c'est ce qu'aurait voulu Myriam. Nous devons faire confiance aux autres. Si quelqu'un peut relever ce défi, c'est bien vous. L'arrogance sans borne des sorciers. Les gobelins ont construit ce bâtiment. C'est notre propriété. Assez, Ranrok. Il n'est pas à vous. J'avais bien envie de jouer avec ceci. La baguette de Myriam. Si elle leur avait juste donné le réceptacle, tout cela aurait pu être évité. Une sorcière trop fière et imprudente. Vous alliez si bien. Ok. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode et on continuera et on finira le jeu la prochaine fois. Donc en tout cas, j'espère que cela vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de Hogwarts Legacy.
Allez, peace, prenez soin de vous.